pas de problème aujourd'hui, donc il n'y a pas de stress. Je connais. Ça va. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Que le Seigneur vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Nous sommes encore là à notre rendez-vous quotidien. Wir sind da wie immer. Que le Seigneur bénisse chacun qui est là ce soir. Möge der Herr jeder einzelne von euch segnen. Notre programme de ce soir est un peu différent. Unser heutigen Programm ist ein bisschen anders. Donc, nous allons passer un moment de prière dédicace. Sprich, wir werden eine Zeit des Gebetes haben. Je vais prier et puis il y aura un temps de prière ainsi que des louanges d'adoration. Je werde beten und dann werden wir eine Zeit des Lobpreis und Anbetung haben. Et tu peux nous appeler pour donner les sujets de prière. Du darfst uns anrufen, um Gebetsanliegen zu geben. Je vais d'abord prier. Jetzt werde ich beten. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir que tu nous as permis d'être là devant ta présence. Herr, wir segnen dich an diesem Abend, wo du uns die Möglichkeit gegeben haben, in deiner Gegenwart zu sein. Nous prions, Seigneur, que ce soir que tu sois au rendez-vous de notre programme. Wir bitten, damit du dabei sei heute Abend. Bénis chacun qui se dispose pour suivre cette émission. Segne jeden einzelnen von uns, der sich Zeit nimmt, Abend mit uns beten zu können. Et exauce la prière de chacun. Und erfülle das Gebet jeder Einzelnen. Au nom de Jésus. In Jesus Namen. Amen. Amen. Donc, comme je disais, wie ich sagte, notre émission aujourd'hui serait plus une émission dédicace. Unser heutigen Abend ist eine geweihten Emission. Donc, tu peux appeler. Das heißt, du darfst anrufen. Pour donner les sujets de prière. Um Gebetsanliegen zu geben. Ou pour témoigner quelque chose que Dieu a fait pour toi. Oder um zu zeugen. Donc, notre numéro, le numéro que tu peux utiliser pour appeler. Die Nummer, die du benutzen darfst, kannst um uns zu erreichen. 0049 15 90 19 64 441. Je reprends encore. Ich wiederhole. 0049 149 159 019 64 441 841. Donc tu peux appeler. Das heißt, du darfst anrufen, pour passer en live, um live zu sein, pour notre mission. Für unsere Sendung. Donc tu peux donner les sujets de prière du kannst Gebetsanliegen geben, pour l'année 2021, das Jahr 2021, ce que tu veux que le Seigneur puisse faire pour toi. Was du dir wünschst, dass der Herr für dich tut. Et nous allons prier pour toi, und wir werden für dich beten, pour la gloire de Dieu. Für die Ehre Gottes. Oui, en attendant, nous allons passer un moment d'adoration. Dazwischen werden wir eine Zeit des Lobpreises und Anbetung haben. Donc, je laisse notre ancien, le Malé, de nous conduire à un moment de louange ainsi que d'adoration. Und ich werde diese Zeit des Lobpreises. Et le téléphone est déjà disponible. Und das Handy ist schon an, das heißt, du darfst anrufen. Donc, si tu peux appeler, il n'y aura pas de problème. Und ja, das wäre schön, wenn du anrufen würdest. Mm-hmm. Olanda yo e ngana ko le bateo
durant cette année 2020. C'est juste une grâce qu'il nous a fait. La Bible dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Pour le faire vivre, pour le faire arrêter. Donc tu vas lui dire merci. Deswegen wirst du dem Herrn Danke sagen. Pour t'avoir protégé. Dafür, dass dich geschützt hat. En cette année 2020. In 2020. Donc tu commences à prier. Erhebe deine Stimme und bete. Tandis qu'on est tenté de chanter. Während wir singen. Tu peux prier. Du betest. Abba, Papa, mein Herz und mein Seele, düsten sich nach dir, nach deiner Gegenwart. Aber Papa, tief in dir, mein Geist, sehn sich nach dir, sehn sich nach dir. Ich würde nie müde
werden, sie zu suchen, bei dir zu sein ist der. Sie verwünschen meines Herzens, ich würde nie müde werden, dir zu feiern, denn mein Lebensgrund darin besteht, sie zu verehren. Nous allons prier. Dis-lui merci. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu nous as protégés en cette année 2020. Nous avons traversé plusieurs situations. Mais tu ne nous as pas laissés. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu étais toujours avec nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Car tu nous as protégés. Merci Seigneur pour la vie. Danke, Herr, für das Leben. Merci pour la santé. Danke für die Gesundheit. Seigneur, il y a beaucoup qui ne sont plus en vie. Herr, viele sind nicht mehr am Leben. Beaucoup, les voyages que nous avons fait, ils ont fait ça, ils ont fait les accidents. Viele haben Unfälle gehabt. Mais Seigneur, tu n'as pas permis que cela nous arrive. Aber du hast es nicht zugelassen, dass es unsere Anteil sei. Nous te disons merci. Wir sagen dir dafür Danke. Donc tu peux appeler maintenant. Deswegen darfst du jetzt anrufen. À 0049 unter die Nummer 0049 159 159 01 01 96 96 48 48 41 41 0049 0049 159 159 01 01 96 96 48 48 41 41. Donc nous sommes en direct. Wir sind live. Et le Seigneur ne manquera pas à t'exaucer. Und der Herr wird deine Gebet erhören. La Bible dit. Die Bibel sagt. Que je suis avec vous tous les jours. Ich bin mit euch jeden Tag. Jusqu'à la fin du monde. Bis ans Ende der Welt. Nous allons élever le Seigneur. Wir werden den Herr erheben. Pour sa grâce, pour ses bontés. Für seine Gnade und seine Güte. Pour son amour, pour sa fidélité. Für seine Liebe und seine Treue. Nous allons le lever ensemble. Wir werden ihn zusammen erheben. Là où tu es chez toi. Wo du bist bei dir. Commence seulement à adorer le Seigneur. Fang an den Herrn zu erheben. Commence seulement à élever le nom de Jésus. Fang an seinen Namen zu erheben. Il est au-dessus de tout. Er ist über alles. Élève le nom de Jésus. Erhebe seinen Namen. Nous sommes en prière. Wir sind im Gebet. Seigneur, nous te lèvons car c'est toi le vrai Dieu. Nous te magnifions car c'est toi qui es au-dessus de nous. Ni n'est semblable à toi, ni n'est comme toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te lèvons, Seigneur. Le créateur de l'humanité, le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur. Nous te lèvons, notre Dieu. Notre roi, c'est toi. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est semblable à toi. Personne ne peut faire comme toi. Personne ne peut te ressembler. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te magnifions. Oh, reçois la gloire. Reçois la magnificence. Au nom de Jésus. Tu vas continuer, tu vas commencer à élever le Seigneur. Pour cette année 2021 qui arrive. Du wirst den Herr erheben für dieses Jahr 2021, das kommt. Tu vas implorer les reins de Dieu en cette année 2021. Du wirst seine Herrschaft in dem Jahr anrufen. Tu vas dire à Dieu de venir régner avec dans ta vie. Du wirst dem Herrn beten, dass in dein Leben regiert. Car la Bible dit. Denn die Bibel sagt. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Der Herr sagt zu seinen Jüngern. Vous allez prier aussi. So werdet ihr beten. Notre Père qui est dans le ciel, Vater unser im Himmel, que ton règne vienne. Tu vas prier que le règne de Dieu s'établisse complètement dans ta vie. En cette année 2021, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ton règne. Pour cette année 2021, nous prions que toi tu règnes. Là où il y avait la maladie, là où il y avait des problèmes, nous prions pour ton règne. Viens régner, Seigneur. Viens dominer dans nos pensées. Viens régner dans nos projets.
unsere Projekte. Viens régner dans nos familles. In unserer Familie. Seigneur, viens régner. Komm und herrsche, Herr. Nous prions, Seigneur, que cette année 2021. Wir bitten, damit dieses Jahr 2021. C'est le toi qui va être le maître de nos vies. Dass du allein den Meister unserer Leben sein. De nos familles. Den Meister unserer Familie. De nos projets. Unsere Projekte. Là, nous continuons avec le chant qui peut nous conduire encore dans sa présence. Jetzt werden wir weiter den Herrn anbeten. Va commencer à prendre maintenant la possession de l'année 2021. Du wirst jetzt 2021 in Besitz nehmen. Car la Bible dit partout foulera les plans de tes pieds, je te les donne en possession. Die Bibel sagt überall, wo du deine Füße das Boden treten wirst, werde ich dir das Land in Besitz geben. Tu vas prendre la possession de cette année 2021 qui vient. Du wirst dieses Jahr in Besitz nehmen, das kommt. Tu vas posséder les mois. Du wirst die Monate in Besitz nehmen. Tu vas posséder les jours. Du wirst die Tage in Besitz nehmen. Tu vas dire à Dieu, du wirst dem Herrn sagen, que tu ne sois pas en retard en cette année qui dans l'ombre. Possède le jour. Nimm die Tage in Besitz. Possède la bénédiction. Nimm die Segnungen in Besitz. Prends la possession de cette année 2021. Nimm dieses Jahr, das kommt in Besitz. Nous prions au nom de Jésus. Wir bitten im Namen Jesus. Seigneur, je prends la possession, Dieu des gloires et de mon Père. Dans le nom puissant de Jésus, je viens prendre la possession de cette année. Je prie que cette année puisse être une année de victoire, de grâce, de percée. Seigneur, je prie que cette année puisse être pour moi
C'est mon année de grâce. C'est mon année de victoire. C'est mon année de réussite. C'est mon année, Seigneur Jésus-Christ. De percer, Seigneur. Je prie, Seigneur, que cette année puisse être une année de. Dans Esaïe, le 43, le verset 18. Bien-aimé, tu vas commencer à déprogrammer. Que tous les échecs que tu as vécu en cette année 2020, que les échecs de l'année 2020 ne partent pas avec toi en 2021. Dass die Misserfolge von 2020 dir nicht in 2021 fort. Annule tous les échecs. Annulit alle Misserfolge. Que tu as vécu. Die du erlebt hast. La maladie. Krankheiten. Les échecs. Misserfolge. Tu vas prier. Du wirst beten. Que cela ne soit pas ton partage en 2021. Dass es nicht mehr dein Anteil in 2021 sein. Nous sommes en prière. Wir beten. Seigneur, nous venons de te gloire, Papa. Annuler tous les échecs de l'année 2020. Que tout obstacle qui était là en 2020, qui nous empêchait, Seigneur, de réussir, qui nous empêchait d'avancer. Seigneur, nous venons prier que les échecs de l'année 2020 ne nous poursuivent pas en 2021. Que les échecs de l'année 2020 ne soient pas notre partage. Seigneur, je viens prier, Seigneur Jésus. Que tout échec de 2020, Seigneur, ne nous accompagne pas. En 2021, nous voulons vivre la réussite. En 2021, nous voulons vivre la joie. En 2021, nous voulons vivre ta grâce. Seigneur, nous annulons tous les échecs de 2020. Que cela ne soit pas notre partage. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tandis qu'on veut nous chanter, tu peux appeler. Toujours, nous sommes là pour recevoir les sujets de prière pour tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Tu peux appeler. Le téléphone est disponible et nous allons vous soutenir dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Also, du darfst anrufen, die Telefonnummer ist verfügbar. Du darfst anrufen. Damit wir dich ins Gebet unterstützen tu peux appeler aussi sur WhatsApp. Du darfst auch bei WhatsApp anrufen. Nous allons te recevoir. Wir werden dich empfangen. Voilà, on nous chante encore un chant pour nous conduire dans la présence de Dieu. Wir werden noch ein Lied gemeinsam singen. Take my will, come for me, do yours.
La Bible dit dans Ézéchiel 37. Die Bibel sagt in Ischia 37. Le Seigneur a montré à Ézéchiel les ossements desséchés. Der Herr zeigt zu Ischia getrockene Bones. Et lui a demandé de prophétiser pour accorder la vie, pour donner la vie aux ossements desséchés. Und der Herr sagt zu ihm, er sollte auf diese trockenen Knochen prophezeien. Et peut-être ton année 2020 était l'année des ossements desséchés. Vielleicht war dein Jahr 2020 das Jahr von getrockneten Knochen. Où tout ce que tu faisais ne produisait pas la vie. Und alles was du tast, kein Leben brachte. Tu vas commencer maintenant à prophétiser si sur ton année 2021. Nun wirst du auf dein Jahr 2021 prophezeien. Et partout qui avait la mort. Damit überall wo Tod gab. Qui avait pas la fécondité. Wo keine Fruchtbarkeit gab. Qui avait pas la vie. Wo kein Leben gab. Tu vas commencer à prophétiser. Du wirst anfangen zu prophezeien. Que tu donnes la vie en cette année 2021. Dass du Leben geben wirst in 2021. Commence à prier. Fängt an zu beten. Donne la vie. Gebe Leben. Donne la fécondité. Sei fruchtbar. Dans ta famille. Proklamier es auf das Leben deines Familie. Seigneur Papa, je commence à prier de toi partout où il y avait la sécheresse. Papa, je prie, Seigneur, afin que tu commences à porter la vie partout où il y avait la mort dans la vie de chacun. Je prie, Seigneur, que tu puisses accorder la vie. Seigneur de gloire, partout où la mort règne, je prie pour la vie, Seigneur. Je prie pour la vie. Ce n'est que tu accordes la vie partout qui avait la mort. Je te supplie, afin que tu puisses donner la vie. Afin que tu donnes la vie. Je prie, Seigneur, que tu donnes la vie, Seigneur. Partout, Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas, Seigneur, la vie. Je viens te prier, Seigneur, que tu accordes la vie dans la vie, dans le projet de chacun. Dans les études de quelqu'un qui a traversé la sécheresse, quelqu'un qui a traversé la souffrance, nous prions, Seigneur, que tu puisses accorder la vie à quelqu'un au nom. La Bible dit dans le psaume 118, le verset 17. Die Bibel sagt im Psalm 118, Vers 17. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben. Tu vas déprogrammer tout mort. Du wirst alle Worte des Todes abprogrammieren. Qui pouvaient être préparés en cette année 2020. Du wirst alle Worte des Todes annullieren, die auf dein Leben in 2021 gesprochen wurden. Quelle que soit la source. Egal die Quelle. Tu vas prier. Du wirst beten. Pour toi ainsi que ta famille. Für dich und für deine Familie. Tu vas prier que la mort ne soit pas au rendez-vous. Du wirst bitten, damit tout nicht in rendez-vous sein. En cette année 2021. An diesem Jahr 2021. Prions au nom de Jésus. Lass uns beten in Jesus Namen. Seigneur, je viens prier, je viens annuler tout mort qui pouvait être préparé dans la vie de chacun, de tous ceux qui suivent. Seigneur, l'émission que nous faisons, je déprogramme la mort, quelle que soit la source, quelles que soient les orgies, la mort par accident, la mort par la maladie. Seigneur, la mort de corona, je viens interdire, Seigneur, dans la famille de chacun. La mort, Seigneur, dans l'épidémie. La mort, Papa, prématurée. Je viens, Seigneur, déprogrammer que ce que tu as protégé jusqu'en ces jours, ils sont plus que vainqueurs de cette année 2021. Seigneur Dieu de gloire, je déprogramme tout mort qui pouvait être préparé dans la vie de chacun. Ne sois pas au rendez-vous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Là où nous chantons encore, et tu peux appeler, le téléphone est là, on peut te soutenir dans la prière. Kinder.
Que nous venons de chanter. Das Lied, das wir gerade gesungen haben. Tout cadeau. Alle Geschenke. La Bible dit ça dans Jacques chapitre 1, le verset 17. Das sagt die Bibel in Jakob, in Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Que tout cadeau. Das alle Geschenke. Tout don précieux. Alle Gabe. Vient de l'Éternel. Kommt von dem Herrn. Tu vas proclamer cet anneau 2021. Du wirst in diesem Jahr 21 proclamieren. Que le cadeau de Dieu soit ton partage. Dass das Geschenk Gottes dein Anteil sein. La santé, c'est le cadeau de Dieu. Dass Gesundheit dein Anteil sein. La paix, c'est le cadeau de Dieu. Friede ist ein Geschenk Gottes. La joie, c'est le cadeau de Dieu. Freude ist ein Geschenk Gottes. Proclame le cadeau de Dieu. Proclamiere diese Geschenk Gottes. Dans ta vie cette année 2021. Dein Leben in diesem Jahr 2021. La santé. Gesundheit. La paix. Friede. La joie. Freude. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je programme des cadeaux dans la vie de chacun qui me suit maintenant. Que la paix puisse être le partage de chacun de nous. Si cette année 2020 était l'année de tourment, l'année d'opprobre, l'année d'angoisse, l'année de plaie, l'année d'amertume, nous supplions, Seigneur, ta main puissante. Que cet anneau 2021, que les cadeaux du ciel se déversent, Seigneur, enfin que nous vivons la paix, la joie, Seigneur, qui vient de toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons lire la Bible et je vais proclamer ce que je vais lire dans la vie de chacun de nous. Dans Deutéronome chapitre 28, les versets 1 à 6. In 5. Mose, chapitre 28, vers 1 bis 6. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, steht geschrieben, wenn du an das Wort Gottes gehorch, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits. Indem du alles folg, was er dir befehlt, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Der Herr, dein Gott wird dir die große über alle Nationen der Erde geben, die Herrschaft. Ma prière pour cette année 2021. Mein Gebet für dieses Jahr 2021. Que la crainte de l'Éternel soit ton partage. Möge die Furcht des Herrn deine que tu marches dans la crainte de l'Éternel. Laufe in dem Furcht des Herrn. Si cette année 2020, an diesem Jahr 2020, tu négligeais la crainte, wenn du an diesem Jahr die Furcht Gottes vernachlässigst, que cette année 2021, möge dieses Jahr 2021, tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ein Jahr der Gehorsam sein. Au nom de Jésus. In Jesus' Namen. Et que la supériorité soit ton partage. Und dass die Herrschaft dein Anteil sein.
Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur toi. Hier sind alle Segen, die auf dich qui seront ton partage lorsque tu obéiras la voix de ton Dieu. Die wird dein Anteil sein, wenn du das Wort Gottes gehorchen wirst. Tu seras béni dans la ville. Du wirst in der Stadt gesegnet werden. Et tu seras béni dans le champ. Und du wirst in Felder gesegnet werden. Les fruits de tes entrailles. Die Früchte deiner Nachkommen werden gesegnet. Et les fruits de ton sol. Und die Früchte deinen Boden. Je prie que tout ce que tu vas semer, tu vas préparer en cette année 2021, produise la réussite. Ich bitte, damit alles, all das, was du sehen wird an diesem Jahr 2021, Früchte trägt. Et tout déplacement, voyage que tu vas faire, que le Seigneur te protège et que tu puisses voir la réussite dans ton voyage. Und für alle deine Reise, dass der Herr dich Erfolg und Schutz schenkt. Que le Seigneur te donne la domination sur tes ennemis. Möge der Herr dir die Domination geben. Que le Seigneur exauce tes prières que Möge tu as priées depuis. Dein Gebet erhöhen, die du schon seit langem que cette année 2021 hast. Soit pour toi l'année de la restauration. Möge dieses Jahr 21 ein Jahr der Restauration sein. Père éternel, lieber Vater, je t'ai confié tes enfants en 2021. Ich verlasse deine Kinder in deine Hände in 2021. Je prie que durant cette nuit de 31, ich bitte damit während dieses Nacht der 31, que tu protèges chacun de nous. Dass du jeder einzelne von uns schützt. Je viens empêcher tout malheur qui peut atteindre la vie de quelqu'un. Ich verhindere alle schlechte Sachen, die das Leben jeder einzelne von uns beeinträchtigen kann. Et je proclame la restauration. Und ich proclame die Wiederherstellung. La santé. Die Gesundheit. La paix. Die Friede. La joie. Die Freude. Se répand dans la vie de tes enfants. Soll unser Anteil sein in Jesus. Restaure la vie de prière. Wiederherstelle das Leben des Gebets. Restaure ta présence. Und wiederherstelle deine Gegenwart. Au nom de Jésus. In unserem Leben in Jesus. Amen. Amen. Merci pour votre fidélité. Danke für eure Treue. Tous ceux qui étaient avec nous en 2020. Alle die mit uns in 2020 waren. Nous prions de rester encore en 2021. Bleibt verbunden mit uns in 2021. Nous serons avec vous le dimanche. Wir werden mit euch am Sonntag sein. À partir de 15h juste. Ab 15 genau. Avec notre thème, la restauration de la gloire de Dieu. Mit unserem Thema, die Wiederherstellung der Herrschaft Gottes. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segne euch. Et abonnez-vous. Und verbindet euch. Et ne manquez pas surtout à partager le vidéo. Und teile den Link weiter. Bonne année 2021. Eine gute und gesunde Jahres. Que le Seigneur vous restaure en cette année. Möge der Herr euch in diesem Jahr wieder restaurieren. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye.